Tiens, je te laisse parler, gros, j'en peux plus. Wesh, la meute, on est de retour à la foire du trône. Attends. Wesh, la meute, comme vous avez vu, on est de retour à la foire du trône. Là, on est déter pour faire des grosses interviews. Bonne vidéo. Ça va, les mecs, tranquille? Bien. Vous faites quoi sur la foire, là? Rien, on vient se balader, hein. Se balader, rien. C'est le ramadan, on se balade. C'est le ramadan. Si ça avait pas été le ramadan, t'aurais fait quoi? Là, lui, il a cassé son arabe. Oh, tu vois, il a cassé son ramadan. Attends, reviens. Pourquoi? Moi, oh, attention. Attends, il a cassé son ramadan. Non, on a tous cassé. Mais non, ouais, pas un truc comme ça. On t'a déjà dit que tu ressembles au mec de PNL, là? Non, quand même. T'es content? Pour de vrai? Ouais, je suis content. Ouais, content. Tu vas serrer de la meuf comme ça avec, non? Non, mais en vrai, il a cassé son ramadan. Moi, je connais. Là, il a cassé son ramadan. T'as fou, là. Aujourd'hui, voilà, là, tu vois, t'as guetté des culs, c'est ça? Voilà, c'est à cause de ça, frère. Je savais. Vous venez à la foire pour ça? Non, mais en vrai, vous saviez que vous venez à la foire pour ça? Non, non, pas pour ça. Eh, t'as fait une attraction aujourd'hui? Non, même pas. Même pas. Vous saviez qu'à la foire, il y avait des meufs? Non, même pas, frère. Wesh, on est venu la tentation, tout ça. C'est pour ça les humains. La tentation? Dans une télé-réalité ou quoi? Non, ouais, on a tous cassé notre ramadan, mais on n'est pas venu pour les meufs au Canéen. En gros, c'est à cause des meufs, c'est pas de votre faute en vrai. Non, c'est à cause de la graille. Ah, vous avez mangé? Des churros, mon frère. Ils ont craqué pour des churros en fait. Il a damé les churros. Genre, t'as pas pu t'empêcher avec l'odeur? Et lui là, c'est un chétan, voilà. Continue-moi ça. Wesh, les gars, vous êtes là en mode, c'est comment? On est là, tranquille. On est là, ouais. on est là. Vous êtes venu pourquoi ici à la foire du trône? Balade, hein. Balade seulement? Au calme, y'a rien. Et toi? Non, vraiment pas de meuf, moi je me balade personnellement. Ah, t'as dit quoi? Y'a pas de meuf, je me balade. Y'a pas de meuf, tu te balades? Donc je pense que t'es un petit peu aveugle. Change de lunettes, mec, parce qu'il y a beaucoup de meufs. Et toi? Non, on est venu pour se balader. Pour se balader, toi t'es un mec floral un peu, non? Non, même pas. T'es vegan? Hein? T'es vegan? Je sais pas, frère, tu mets des fleurs comme ça. T'aimes les arbres en fait. Est-ce que vous avez confiance en la sécurité des attractions? Vraiment pas. Pourquoi? Yeah, j'ai déjà eu les accidents ici, non, c'est mort, ouais. Comme quoi, moi je sais pas, moi je suis pas au courant. Genre, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc de ouf là, je peux, tu penses? Fais-le, hein. Après, c'est ton dos, hein, perso. Arrête, c'est mon dos? Ah, c'est ton dos, hein. Bah, viens, on en fait un, je t'en paye un, hein. T'es chaud? Non, même pas. Entre nous, moi je sais très bien, vous êtes venus pour les meufs. Toi, je vois, t'as tourné le regard direct. Pareil, hein. T'as mis ton dourag? Hein? T'as des waves en dessous? Montre, wesh. Hein? Montre ce que t'as en dessous. Non, voilà, j'ai mes contours. Tu connais les contours? Toujours. Attends, montre 2 secondes. Hein? Montre les contours. Ouais, ah, mais c'est dur à enlever, mon gars, on dirait. Ouah! Oh, la vie de ma mère! Ouais, je fais pas les trucs comme ça! Voilà, je me suis chié dessus! Eh, t'entends les bruits là? Eh, c'était pas comme ça la première fois que je suis allé, putain de sa mère! Voilà, je flippe! Bon, je suis avec DC's et Abou Debeng. Ouais. En fait, il veut nous faire. Ah, non, archi pas! Il nous a mis là-dedans pour nous faire! archi pas comme ça! Ça va les mecs, vous faites quoi à la foire? Tranquille, on est là comme tout le monde. On est là, hein. Tranquille, vous allez faire les attractions? Ouais, on a déjà fait, là on continue. Mais à force, on va être en pétard, hein, l'oseille, c'est pas gratuit tout ça. La foire, ça coûte cher? C'est cher à mort. Non, ça va, en vrai, ça va. C'est cher ça à mort. Y'a un pauvre et un riche, en fait, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Pôle emploi vous a présenté Parcours vers l'emploi. Les métiers de la croissance verte. Ah, ça, c'est le E du chômage, ça. Je connais tous les jours au quartier, frère. Non, je rigole, non, on travaille, moi, je suis transporteur logistique. Est-ce que vous avez confiance à la sécurité des attractions et tout? Bah, pour le moment, j'ai fait le king. Sale. Du coup, ouais, je pense que, ouais, c'est. Genre, c'est carré. La confiance. Les yeux fermés, t'y vas. Pas confiance en mode, mais on voit les gens le faire, du coup, vas-y. Si eux, ils meurent pas, pourquoi nous, on va mourir? Justement, il y a le risque, il n'y a pas de risque zéro. Non, moi, bah, j'ai totalement confiance, il n'y a rien. Il n'y a rien, toi, tu peux y aller normal, les yeux fermés. Les yeux fermés, non, toujours j'aurai un œil sur comment ils truquent le matos, mais sinon, en vrai de vrai, je ne m'y connais rien, mais j'ai confiance. D'accord. C'est une habitude, tu vois ce que je veux dire. Moi, je regarde sur internet, je vois pas d'accident fréquent. C'est comme si tu me disais demain, t'as confiance pour prendre l'avion. Bah, je le prends, frère, mais il n'y a pas le risque zéro, toi-même, tu le dis. Les gars, qu'est-ce que vous faites à la foire du trône? On marche. On marche. Vous êtes venus juste pour marcher, passer le temps? Ouais. Les meufs, non. Les meufs, merci, c'est ça que je voulais entendre. Khalas les forains. Pourquoi les meufs, t'es venu draguer? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. T'as chopé des petits numéros ou pas? Ah, tu viens en fait juste pour regarder. T'es un mec qui regarde. En fait, je suis trop moche pour ça. T'es trop. Mais non, t'es un beau gosse, regarde. Regardez comment il est beau gosse. Donne ton snap à la caméra, vas-y. Eredius. Dites-lui si c'est un beau gosse, parce que je pense qu'il est beau gosse. Tiens juste à dire qu'il y en a un qui a réussi sa teinture en tout cas ici. La tête de ma mère que ma teinture déjà, d'une, elle est très très bien, et de deux, je m'en bats les couilles de ta vie. Bon bref les gars, vous êtes venus pour les meufs aussi? Vite fait, hein, ici c'est des petites, hein. Bon bah je crois qu'il y en a une qui a eu ses règles. Bon, est-ce que vous avez déjà fait une attraction ici bizarre? Bizarre. Ouais. Bah celle qu'on vient de faire. Vous avez fait quoi? Du fantôme là. De quoi? Horreur là, je sais pas. Horreur là-bas là. Eh, tu sais que nous on va le faire tout à l'heure pour notre vidéo, est-ce que tu me le conseilles? Ouais, de ouf. Est-ce qu'il te touche les gens? Ah ouais, de ouf.
Ah, ma race. Abusez pas. Allez. Et voilà, ça fait flipper. Wesh, wesh, cours, cours. Wouah. Ah, cours, 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 cours. Voilà, cours, cours. Why. On est entre collègues youtubeurs. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton... Lawson Penola. La quoi? Lawson Penola. Lawson Togola. Penola, arrête. Penola, mais la tête de ma mère, j'ai pas fait exprès. Elle va me battre. Elle va me frapper. La sauce squad, faut le monter en l'air, lui. La sauce squad. La Lawson squad. Je dis bien, là? Ouais. T'as vu l'accent américain, mais ça va. La Lawson squad. Yeah, motherfucker. Yeah. Quoi, motherfucker? Parce que je connais que ça en anglais. J'avais trois en anglais. Ça te pose un problème? Non, je gueule. Ça va, vous faites quoi, la porte du trône, du coup? On se promène un peu et on devine l'origine et le prénom. L'origine et le prénom des gens. D'accord, tu peux deviner mon origine? Algérien. Algérien, ouais, mais il y a une autre partie. Kabyle. Non, il y a un autre pays. Tu trouveras pas. Non, c'est en Amérique du Sud. Brésilien, bing. Ça se voit pas. Ça se voit pas, bah je sais, mais malheureusement. J'ai pris que. Non, je rigole, alhamdoulilah, j'ai pris que le côté algérien. Est-ce que vous avez confiance à la sécurité des attractions et tout? En fait, on sait que c'est un peu chelou, mais on dit ça arrive qu'aux autres. Ça arrive qu'aux autres. Et t'as, on prie aussi, t'as vu? On prie, c'est le plus important. En vrai, c'est ça, tu vois. Tu montes avec un chapelet et tout. C'est ça, on se dit ça arrive qu'aux autres, t'as vu? On dit nous, on est bénis. La communauté, les autres, ils ont fait quelque chose de mal avant. Et du coup, il y a un truc que j'ai remarqué à chaque fois que je vais à la foire, c'est qu'il y a trop de charreaux. C'est abusé. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer à la foire? Ah, moi, je calcule pas, hein, je trace ma route. Je trace ma route. Genre, il y a un mec qui vient te demander ton nu. Genre, c'est quoi la réaction, la première? Non, de toute façon, tu sais, moi, je marche avec un visage serré. Donc, les mecs, ils savent qu'ils peuvent pas blaguer avec moi. Ah ouais? Genre par exemple, si je fais le mec, tu sais quoi, on va faire une petite comédie. Si je fais le mec qui vient draguer, comment tu me regardes? Attends, j'arrive. Oh mademoiselle! Elle passe ton hume! Wesh, elle fait quoi là? Eh, reviens! Eh, fais quoi ta copine là? Et toi, pareil? Je suis pas comme ça, je suis un peu plus poli. Je réponds, après je dis. C'est comment on va le faire pour toi, attends? Eh mademoiselle, elle t'a un snap? Non, pas du tout. T'as mis tout le monde à snap, t'as Instagram? Non, j'ai pas. T'as un numéro? Non, mais. T'as un numéro de téléphone? Non. Numéro de carte sociale, carte vitale. Là, je suis. Sécurité sociale, là, carte bancaire. Non, rien de tout ça, tu tournes ma gueule. Ouh, c'est les trucs chinois. Excusez-moi, que pensez-vous de la sécurité des attractions à la foire du trône? Qui sait le dire en chinois? Teng Fo, Teng A. Yes, ça va? Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Bien? Bien, bien. Et toi? Yacine. Tu te caches? Non, je t'ai pas demandé ton prénom. Je t'ai dit, est-ce que ça va? Ah ouais, ça va. Ça va les gars, ça fait le ramadan? Ouais. Tranquille, ouais. Du coup, c'est venu faire quoi à la fois? On est venu comme ça. Comme ça? Rien? Ah, il ment. Il ment, vous êtes venu. Il est venu gérer des meufs? Non, lui. C'est un gros. T'es venu gérer des meufs? Non! Ah, je l'ai vu dans ton sourire. Non, on est pas dans ça, nous. Mais comment ça, t'es pas dans ça? Bon, il a géré des meufs aujourd'hui? Non, on vient d'arriver là. Ah, on vient d'arriver, du coup. C'est des meufs. C'est quoi la stratégie? Ah, il va demander aux meufs s'ils veulent faire des manèges avec lui, parce que il fait crarer, on a peur. Ah, c'est quoi ta stratégie, vas-y? En vrai, comme ça moi je l'en... Non, j'ai pas de stratégie, il m'envoie pour lui là. Il t'envoie pour lui. Eh hey, mais les gars, c'est le ramadan, vous pouvez pas tenir un mois? C'est le quoi? C'est rien. Du coup en fait, c'est toi t'envoies ton pote? Non, c'est lui il m'envoie. Eh hey, les gars, vous m'en ouf là. Genre là, si vous voyez une meuf, qui va aller gérer la meuf là? Ça dépend. Le plus gros charo là, c'est lui là. Et moi les gars, si vous voulez, je vous chope des meufs de ouf. Vous voulez ou pas? Vas-y. Bah tu veux que j'aille voir quelle meuf? Je vais l'aborder pour toi direct. Attends, elles sont les meufs. Vas-y, dis-moi tout. Non, attends, il y en avait là. Tu commences à perdre tes couilles là, Bah merci en tout cas les mecs. Je sais que tu cas. Noni. Oh, attends, non, continue à filmer. Voilà. What are those? Mais wesh, frère, c'est quoi? Attends, là, vous voulez faire là? Mais là, ouais. Mais comment ça? Tu viens dans la vidéo avec ça? Mais comment tu veux que je vende tes crocs, frère? Et c'est lui qui va gérer des meufs pour vous. Eh, mais t'as rien à perdre, reviens ici, toi. Comment tu peux laisser ce mec avec des crocs gérer des meufs pour toi? Non, tranquille, mon gars. Eh, voilà, je kiffe les crocs. Ceux qui me connaissent, j'ai des crocs verts, j'ai là jamais, frère. Vous faites quoi la part du trône? C'est pour les meufs. C'est pour les meufs. Eh, je vous ai dit, de base, la question, c'était sur la sécurité, mais on arrive toujours aux meufs. Les meufs. Mais est-ce que t'as géré? C'est vrai, t'as géré? Mais non, c'est pas moi, personne. Non, mais pire, c'est en fait, il est en couple. Eh, écoute, je peux mettre sur YouTube? Non, vas-y. Ouais, tranquille. Eh, hey, on est témoin, elle a pris en vidéo. On va pas me dire après, supprime ma meuf, elle veut me. T'as quoi sur tes cheveux? Enfin, non. Three-eyed Raven. Oh putain, on a retrouvé Bran Stark. Qui gère le plus ici? C'est lui. Moi. Oh, ils sont pas clairs entre eux. Bon, concrètement, est-ce que vous avez confiance en la sécurité des attractions? Non, pas du tout.
on a fait la grande roue, elle a fait que crier. Ouais. Et genre même moi j'étais pas. Lui aussi il a fait que crier à la grande roue. moi je suis une salope, tu vois, j'ai peur de la hauteur, je le cache pas, tu vois. Est-ce que vous êtes fait draguer depuis que vous êtes ici? Oh non. Non du tout, ça vous arrive pas? Vous êtes gangsta un petit peu. Toi déjà tout à l'heure je t'ai vu, tu dansais, je sais pas pourquoi, ça veut dire que t'es grave ouvert. C'est parce que je vous connais. Ah c'est parce que tu nous connais. Donc quand tu connais quelqu'un tu danses, tu commences à faire des... Ah, dès que je vois qu'une caméra je commence à faire ça, c'est pour ça. Quoi? Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hey, je me suis démonté, il était là. Je suis tombé pendant le manège où ça fait flipper. Moi, j'ai trop peur. Une grosse tapette, mais bref, si vous avez kiffé, n'hésitez pas, un like, la cloche de notification. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, c'est très important. Abonnez-vous, c'est ça. Partagez la vidéo en masse. Gros big up à vous, à la prochaine. Ciao.